Yop les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo bonus hunt les gars. Pour une fois, j'ai décidé de faire un bonus hunt un peu plus petit. J'espère que vous allez quand même apprécier. Bonus hunt 10 000 euros les gars, 13 bonus. On a un break even de x 56. J'ai fait un petit x 700 en base game sur Doghouse Megaway. X 700 en base game, j'ai pas eu le bonus. Voilà, voilà. Et donc voilà les gars, petit bonus hunt, j'espère que vous allez kiffer. En tout cas j'espère que vous allez bien les gars. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée au moment où laquelle vous regardez cette vidéo. Et que vous allez kiffer cette petite vidéo tout simplement. Moi ça va bien, moi ça va bien pour ceux qui se demandent. Tout va bien, tranquillou. Et puis voilà, espérons faire du bénéfice aujourd'hui, bien évidemment. Et je le dis à chaque vidéo mais bon. N'hésitez pas les gars à nous rejoindre sur des lives, vous êtes beaucoup à passer sur les streams, ça fait énormément plaisir, tous les jours en live à partir de 18h. Donc voilà, vous êtes les bienvenus les gars, on fait pas mal de giveaways, on s'amuse bien, on rigole bien. Donc passez nous faire un coucou. Premier bonus, x97, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Sachant qu'on a un break even x50, si on fait que des x97, on est censé finir aux alentours de 17 000. Donc moi ça m'irait. Premier bonus, 1455 euros. Attends, le ref, avant de continuer la vidéo, je te rappelle que dans le premier lien dans la description, t'as le bento. Il y a le lien pour rejoindre le Discord. Il y a 50 euros à gagner tous les jours sur le Discord. Ça fait 1500 euros à gagner tous les mois, les gars. N'hésite pas à le rejoindre. Deuxième machine, les gars, Magic Piggy. Magic Piggy, les gars, petit bonus. Alors, on a que des bonus aux alentours de 15 euros, entre 12, je crois, et 16. Donc voilà, bonne chance à nous. Magic Piggy, ça fait un moment que je ne l'ai pas joué dans les hunts. J'espère qu'elle va me donner envie de la rejouer. C'est vrai qu'on jouait plus Tail de Toad récemment. Ok, c'est pas horrible. Une petite étoile au milieu. Dommage, les deux dead spin. Une petite étoile au milieu. Ok. Ok, une 3 en plus. Maintenant, on veut un chapeau. On veut un chapeau avec les billets, bien évidemment. Et non pas des wilds. Oh, un chapeau avec des billets, ça peut être énorme. Allez, des billets, des billets. Nice. Des bons multi. Il y en a beaucoup, hein. En vrai, ça peut être... Il y a un multi, il y a deux multi. Oh, c'est... Attends, ça peut être énorme. Ça peut être énorme. Sur le x25. Sur le x50 maintenant. Sur le x50. Sur le x50. Oh, dommage. C'est bien, c'est bien. C'est bien, mais... Il y avait un potentiel, les gars. Déjà, on a eu que des x2. Si on avait eu des plus gros multi. Et surtout, si on multipliait tout le temps le même billet, mais très bien quand même. Très bien quand même. 4039 euros, les gars, sur ce deuxième bonus. Hunt qui start extrêmement bien. Putain, il y avait énormément de multi, franchement. Il y avait un potentiel de fou, mais on a déjà récupéré 5600 en deux bonus. Ça commence bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Troisième machine, les gars. Big Bass Halloween. On est parti. On est parti. Alors, je l'ai jamais joué. Je voulais jouer une Big Bass. J'aime bien faire une Big Bass dans les hunts. Même si c'est pas des machines que j'affectionne tout particulièrement. Celle-là, je la connais pas. Je sais même pas si elle est nouvelle ou si elle date d'année précédente où il y a eu Halloween. De ce que je vois, ça a l'air d'être une Big Bass. Tout à fait normal, juste un reskin. Pas comme certaines qui ont des features spéciales. Il nous manque déjà. Ok, on passe directement en x2. 6 spins d'avance. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, un pêcheur d'avance. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas été en x3. Ça fait très longtemps que je n'ai pas passé le deuxième setup. Est-ce que ce sera aujourd'hui? T'as eu la question. Dommage, un petit pêcheur, il y avait quand même il y avait un petit billard récupéré. Après, j'ai pas envie de me hype. On connaît les dead spin en boucle. Mais ça sent plutôt pas mal. On a encore 12 spins pour récupérer deux pêcheurs en vrai de vrai. C'est pas déconnant. Hein. Franchement, c'est pas déconnant. On passe en x2 du coup. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est même pas le x2, c'est d'avoir deux pêcheurs. Pour passer en x3. C'est surtout ce qui nous intéresse le plus là actuellement. Allez s'il te plaît me bait pas. Franchement on a trop d'avance. Nice. Plus qu'un. Un pêcheur en 6 spins les gars. Un pêcheur en 6 spins et on passe en x3. Enfin, le x10 hein. On passe en x3 et on a un pêcheur. Alors les gars x10. Je n'ai jamais été en x10. Sur n'importe laquelle des big bass. Jamais. Vraiment jamais. On a encore deux spins. Les gars, je commence à y croire, c'est pas bon. Je commence à y croire, c'est pas bon. Quand tu commences à y croire, c'est pas bon.
C'est pas bon. Un pêcheur maintenant et j'y crois de fou hein. 10 spins les gars. En x3 ça peut déjà énormément payer. Mais là c'est surtout 2 pêcheurs. 2 pêcheurs et on passe en x10 les gars. Et Dieu sait combien j'ai fait de spins sur des big bass, s'il te plaît. Oh mon Dieu, un pêcheur. 8 spins pour avoir un pêcheur. 8 spins pour avoir un pêcheur. C'est pratiquement à une remboursé. S'il te plaît. C'est du jamais vu, je crois. C'est du jamais vu, je crois. Par pitié, un pêcheur. Par pitié, ce serait le pire bait que j'ai eu depuis très longtemps. Oh, s'il te plaît. Même en x3, c'était tellement d'argent. Oh non, pas ça. Pas ça, pas ça. Par pitié. Non. Non. On peut pas. On peut. Bon, c'est quand même un bon bonus, mais on peut pas faire à peine un x100, entre guillemets, avec un setup pareil. C'est trop. C'est trop. 1920€. Ok, Rip City les gars, Rip City. Ah putain, le bonus Big Bass, mon dieu. Je sais pas, dites-moi en commentaire les gars, est-ce que vous avez déjà eu les 10 spins? Enfin, le x10? Moi vraiment jamais, hein. Oh, j'y ai cru, putain, j'y ai cru, ça pouvait être énorme. Bon, c'est quand même un très bon Stardust, on est déjà à 7005, hein. On va pas se plaindre. Mais putain, il y avait tellement la Max Win au bout des doigts. J'avais la Max Win au bout des doigts les gars. Dommage, dommage que les chats soient mal placés. Et dommage. Aïe, 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 putain, ce bonus, il va monter tout le reste du hunt, les gars. Putain, en tout cas, Big Bass Halloween, belle découverte. Oh, il n'y a pas de full line. Ça va payer un peu, quand même. 300 balles. Ok, ok, petit fois 70, un truc comme ça, à peu près. 1023€, c'est toujours... On a toujours pas fait de dead bonus, j'apprécie. J'apprécie, 1023. Le pharaon. Le pharaon, mesdames, messieurs. On est parti. Petit bonus. On va prendre le bonus de droite, bien évidemment. Ah, je sais que j'ai pas eu le bounty. Je l'ai vu tout à l'heure. Bon. On va pas prendre. Bien évidemment, on va prendre le bonus de droite. On va prendre le bonus de droite, sachant que je crois qu'on a The Zeus dans le hunt. Si c'est pas de conneries. Ou le bandit. Je crois qu'on a une des deux. Et... Ok. Ok, petit x50. Nice. Ah, dommage. J'aurais préféré celui en or. Celui en or multiple. Non. Ah, dommage. Dommage, le trèfle x4 sur le x50, ça aurait été pas mal. Après, cette petite addition est pas mal. Mais on préfère le doré. Il y a le même en doré. Le doré multiplie. C'est un collector. Enfin, multiplicateur sticky, pardon. Mais c'est un x100, 1710€. Pour l'instant les gars, ce hunt, mais on est déjà remboursé carrément. On est déjà remboursé les gars. On est déjà remboursé, on est déjà back au start. J'aime énormément 1710. Ok, le bandit les mecs. Le bandit, on est tipar. On est tipar, le bandit. Du coup, je savais bien qu'on avait... J'ai dit Zeus, mais c'était le bandit. On t'appelait Zeus à la fin. Putain, je me rappelle plus. Ouais, je l'ai fermé ce matin le hunt les gars. Et là, quand je tourne la vidéo, on est le soir. Alors, pas fan d'avoir un arc-en-ciel au début. Après, c'est une pièce x25. Donc on va pas s'en plaindre, ça fait 435 balles. On va clairement pas s'en plaindre. Mais la question est, va-t-on avoir un autre arc-en-ciel avec des connexions? Celui-ci, on va pas avoir une pièce en or encore une fois. Ouais, ça aurait été trop. Ça aurait été beaucoup. Bon les gars, à partir de maintenant, tout l'argent qu'on gagne, c'est du bénéf. Et j'avoue qu'il y a des news qui donnent le smile. J'ai rarement fait un start de hunt. Partez autant sur les chapeaux de roue. Alors il y a beaucoup d'arc-en-ciel, mais... C'est dommage parce qu'on connecte, enfin, on fait très peu de connexions et un arc-en-ciel. Au final, ça va, c'est déjà un x50. Ok, bon, c'est le moins bon bonus, les gars. Faut se dire que c'est pas un bonus de merde et c'est le moins bon bonus pour l'instant de June. 8 bonanza 1000, mesdames et messieurs, on est parti. On est parti, on a touché la bombe poisson. On a fait un x1000 et quelques en stream hier ou avant-hier. Est-ce qu'on pourrait réitérer l'exploit? Une petite connexion de violet. Into une fois 1000, c'est Noël. Pour l'instant, c'est des œufs de Pâques un peu pourris. Plus que Noël, ce bonus. Oh. Connexion quand même. Des prunes, un multi, rien du tout. Des pastèques, rien du tout. Ok, c'est le premier dead, les gars.
C'est le premier dead de ce hunt, il en fallait bien hein. 59,50€, on est dégoûté. Doghouse, mute les crew, on est parti. On est parti de la nouvelle doghouse sur laquelle on a fait une montante récemment. Vous avez l'air d'avoir apprécié. Je sais pas si vous avez apprécié la machine. C'est vrai qu'il y a eu deux vidéos d'affilée, c'était Get the Cheese, horrible, et mute les crew qu'on a adoré. C'était un peu les montagnes russes les gars, c'est un peu les montagnes russes. Ok, alors je trouve que c'est quand même dur d'avoir un bon setup sur cette machine. Avec des bonus 3 scatters uniquement avec le bonus de base. Même si on a fait des beaux bonus quand même. Mais et c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Là par exemple c'est un bonus qui part très très mal. Enfin, c'est même un... On peut déjà dire qu'il est mort. Jamais eu de retrigger d'ailleurs sur la machine. Je sais pas à quel point c'est rare. Oh attends. C'est pas incroyable mais il y a un petit billet. Ouais ok. Ça permet de pas faire un dead. 652,50€, ça nous permet de pas faire un dead. Et c'est pas mal, on récupère du bénéf les gars. Tous les bonus de toute façon c'est du bénéf. Ok, Sugar Rush 1000, on est parti l'équipe. Sugar Rush 1000, let's go. Voyons voir. Voyons voir ce qu'elle a à nous proposer. Start un peu mitigé. Enfin une connexion, petit retrigger. C'est tellement plus dur d'avoir un retrigger sur Sugar Rush. C'est plus dur que de trouver une meuf, c'est une dinguerie genre. C'est beaucoup trop dur. Ok. On a build un petit peu en vrai. On a build un petit peu. Ok. Ok, le meilleur symbole qui connecte. Dommage uniquement avec un x4. On commence à avoir un setup. On commence à bien tapisser. On commence à bien tapisser un peu de partout. Nice, on monte encore le multi. Les violets qui vont connecter, on monte encore le multi. Il y a 2x32 collés, ça peut être très intéressant. 4 spins restants sur une connexion d'un bon symbole. On a un x64. 64. Oh, dommage. Un violet. Non, il peut pas, ça sera le rouge. C'est-à-dire un violet qui tombe. Allez, on veut une grosse connexion ici. On veut une grosse connexion ici, s'il te plaît. Pour une fois qu'on a un setup. Pour une fois qu'on a un setup. Ah c'est dommage, les cœurs. Pourquoi tu les fais pas connecter avec le x64? Mais c'est quand même un bon bonus. Petit x100, 1591€. Juicy Fritz, mesdames, messieurs. Juicy Fritz, on est parti. On est parti, on est parti. Ok, deux au start, j'aime bien. Ok, on passe en deuxième. Oh, plus un spin, c'est dommage. Plus un spin, c'est dommage, à moins qu'on enchaîne vraiment les diamants. Et il en faudrait 2 sur ce spin pour garder un peu de lead. Ce sera 0, dommage. On peut pas toujours avoir ce qu'on veut dans la vie. 2 maintenant. 0, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut dans la vie. 2 maintenant. 0, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut dans la vie. Dommage. Dommage, ça partait bien. 406€ sur ce bonus. On rappelle, c'est 406€ de bénéf. Donc on va pas s'en plaindre. On paye Mega Reels. On est parti les gars. On est parti. Alors, petite machine qu'on me call en stream, où en base game il se passe des trucs, mais où je n'ai jamais eu le bonus. Et j'ai mis quand même 450 spins pour l'avoir celui-là. Donc voilà, j'espère quand même que ça va rendre un petit peu. Pour l'instant, c'est pas zinzin. Pour l'instant, on n'est pas comme des ouf. Ouais, ok, enfin une connexion. On se demandait si c'était possible. Il y a des bons symboles, mais ça va pas connecter. Dommage. Ouais. Ah, je suis mitigé, les gars, sur cette machine. Je sais pas si vous adorez cette machine ou si vous la détestez en commentaire. Moi, j'avoue que je suis un peu mitigé quand même. Hein. J'ai l'impression qu'elle est capable, mais elle veut pas, quoi. 81€. C'est le pire bonus, je crois, de la session. Et il nous reste 2 bonus, mesdames et messieurs, pardon. Vous avez vu, j'ai arrêté de dire les gars, d'ailleurs. J'espère que vous êtes contentes. Vous êtes pas énormément, mais les petites filles qui regardent les vidéos, vous êtes contentes, j'ai arrêté de dire les gars tout le temps. Donc voilà. J'espère que vous appréciez l'effort. Et il nous reste du coup 2 bonus. 2 Zeus, et nous aurons Wanted avec un petit duel. Pas piqué des hannetons, j'ai envie de te dire. Plus de spin, ok. Allez, on veut de la connexion. On veut de la connexion. On veut plus de connexion. Ok, bon la main arrive un peu tôt, mais pourquoi pas. Ah, full bronze. Ok, ce sera un bonus moyen sur Zeus. Ce sera un bonus moyen sur Zeus, malheureusement. Mais dans tous les cas, on est sur un end positif, donc c'est pas grave si les derniers bonus sont un peu moins bons. Même si bon, un petit x1000, je crache pas dessus.
Évidemment, un petit x1000, je crache pas dessus. Et ce sera 552€. Et pour finir ce hunt, mesdames et messieurs, Wanted Dead or Alive bonus duel à 10 balles. On est parti. On est parti. Dans tous les cas, ce sera au minimum 4394€ de bénéf. Et peut-être plus, suivant ce que nous propose Wanted. 3 VS et ça peut être 20 000€ de bénéf. 5 VS et ça peut être 100 000€. Oui, je suis un rêveur. Oui, je suis un rêveur, effectivement. Ah, au moins un VS. Le bonus s'appelle VS, on en a pas vu un seul. Oh. Ah bah, un seul, tu l'as pris au pied de la lettre, quoi. Et en plus, un x2. Tu veux pas te fatiguer. C'est ça que t'es en train de me dire, tu veux pas te fatiguer. Eh bah, 325€ malheureusement. Bon, le hunt, les gars, n'a pas fini comme il a commencé. 4719€ de bénéfice sur ce hunt, c'est quand même un très très beau bonus hunt. J'espère que vous avez kiffé à le regarder, les gars. Moi, j'ai kiffé le faire en tout cas. Vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre en live sur des lives tous les jours à partir de 18h. À mettre en commentaire votre pseudo sur Instant. Il y a 2 fois 25 balles à gagner. Je vous fais des bisous, les gars. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao les refs. I'm trying to